notre héros de retour. Il apporte des bonnes nouvelles. Ah ! Et le souper. Ce foutu truc ne s'ouvre pas. Comment ? Pour tout vous dire, je n'aurais jamais vraiment pensé que vous réussiriez. Boulder. Nous sommes bénis, mes amis. Nous avons formé une alliance qui porte déjà ses fruits. Et bientôt, elle nous apportera bien plus. Je vous demanderai juste une dernière chose avant qu'on fasse équipe, Majesté Rebelle. Boulder. Une promesse. Celle de redonner leur gloire à ces montagnes et de nous laisser y vivre comme auparavant. Et surtout, la promesse de faire payer durement à Logan pour tous les crimes qu'il a commis. Je le promets. Et maintenant, rallions le château et déchaînons notre fureur, la plus sombre sur lui. Il va falloir attendre encore un peu pour ça. Pour l'instant, il n'y a que nous contre une armée entière. Il nous faut recruter plus de monde. Ah, vous avez on ne peut plus raison sur ce point. Vous nous avez apporté à manger, et maintenant, nous pouvons à nouveau chasser. On va boire et manger jusqu'à ce que vous soyez prêts à partir. Pas vrai, Boulder ? On ne peut pas faire plus heureux. Tu as gagné un allié d'envergure aujourd'hui. La Révolution n'a aucun espoir de réussite sans des guerriers d'honneur comme Savin et ses hommes. Tu possèdes maintenant le début d'une armée. Je peux faire quelque chose. Je suis plus que fier de ce qu'il vient d'accomplir. Mais il nous reste encore beaucoup à faire. Et je sais exactement où trouver nos prochains alliés. Retrouve-nous à la station de Miss Peak quand tu seras prêt. Merci beaucoup. La révolution ne fait que commencer. Ce haut vous va bien ? Thank you.
Sacrément grand. Viens, je vais traquer. Hey, si tu continues à tirer, tu vas me faire quelqu'un. Cet endroit a terriblement changé. Il y a 20 ans, c'était un espace vide, humide et sombre au milieu de nulle part. Maintenant, les gens font la queue pour se balancer dans une boîte en acier. Et le voilà. La plupart des gens vont se rendre directement à Power Stone. Mais nous allons d'abord faire un... J'espère juste... Il y a un problème.
Il faut qu'on descende de là. Que quelqu'un aille chercher de l'aide. Il faut sans doute passer par là. Nous devons trouver ces gens, voir s'il y a des survivants. Allons-y. On dirait que c'est le seul moyen. Très bien. Je peux y arriver. Descendons vite. Je voudrais pas passer plus de temps que nécessaire dans cette foutue boîte. Il est tombé un peu plus haut. Viens. Je reconnaîtrai ces bruits n'importe où. Peut-être que la chute du funiculaire n'était pas un accident, finalement. Merci d'avoir été une cible aussi docile. Pauvre petit cafard. Ils n'avaient aucune chance. Je ne retournerai jamais dans un funiculaire de toute ma vie. Tu peux me croire sur mes parents. Bon, où est-ce qu'on va? Oh, bien visé. Je me lasse pas de tirer dessus. Bien, pas de pitié pour ces petits fouets. Je ne me lasse jamais de te regarder faire ça. Oh, il est au paradis des œufs. Leur tirer dessus à distance est une bonne idée. Ça t'évite de supporter l'enfer. Étonnamment brillant. Bon, on peut rester ici et se faire tirer dessus, ou leur rendre l'appareil en étant ses fous. C'est toi qui vois.
ces affreuses bestioles. Tu maîtrises de mieux en mieux la magie, on dirait. Continue à créer comme ça, on sera vite débarrassé. Continue à les massacrer pour qu'on puisse sortir d'ici. Ils se sont construits en Dinguer cette bestiole. Il y en a d'autres en réserve. Thank you.
assez malins pour utiliser de la magie. Mais pas pour porter leurs pantalons dans le bon sens. Va savoir pourquoi. Ici à une époque. Tu ne penses pas que les Hobbes l'ont construite, hein? Non, pas avec leur Tu as remarqué comme tout est calme ici. Presque comme si. Si ceci allait se produire. Presque trop facile. Les autres vont y réfléchir deux fois avant de vous attaquer maintenant. Pas eu trop mal, hein? C'est presque trop mal de tuer ces petites bêtes. Ah ouais? Et tu crois que c'est drôle, hein?
Tu as brillamment passé un test capital. Un bon leader doit toujours être capable de prendre de nouveaux chemins et d'affronter et déjouer l'impossible. La nouvelle de votre combat victorieux contre ces créatures va faire grand bruit. Je pense pas que tu puisses t'en sortir cette fois. Mais je fais moi-même un peu de magie. Observe et prends-en de la graine. Boum! Oh, ça a marché? Bien, sortons d'ici, d'accord? Presque sentir la chaleur du soleil. C'est pas merveilleux? La chaleur étouffante, écrasante, assommante du soleil. Nous sommes à Morningwood. J'espère que les gens que nous cherchons sont toujours en vie. Pourquoi ils seraient morts? Parce que quand la nuit tombe, c'est l'un des endroits les plus dangereux de tout l'Albion. Je vois pas le danger, mais je commence à avoir des rougeurs. Saleté de marée. On a vraiment fait une belle équipe dans cette grotte, hein? Ça faisait un moment que je m'étais pas retrouvé dans un vrai combat. C'était exactement comme combattre aux côtés de ton père. J'en étais presque venu à oublier ce que ça faisait de se trouver près d'un héros. Je pense qu'on y est presque. Je pense que ça doit être là-haut. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un bol de soupe et un bain chaud? Bonjour, je viens d'apprendre une chose très intéressante dans le livre des héros. Il semble que vous ayez le pouvoir d'améliorer vos armes actuelles, mais aussi celles que vous trouvez. Revenez au... J'ai mis sur le mur le contrat de la promesse que vous avez faite à Savin. Examinez votre nouvelle arme pour savoir comment l'améliorer. Mais s'il vous plaît, ne le faites pas ici. Je viens de faire le ménage. Les pistolets sont plus rapides que précis. Mais il faut voir le carnage qu'ils font. Thank you.
Ceci est un gantelet, un objet incroyable qui permet aux héros de canaliser les énergies magiques pour lancer des sorts. Incroyable! Ah, vous avez du goût en matière de gantelet. Besoin d'une arme différente? N'avancez pas! Vous êtes des hommes ou des hommes creux? Tu es devenu dingue, jeune homme. Ouvre les portes. Walter, c'est vous? En personne. Bon, tu vas nous laisser rentrer maintenant ou quoi? Oui, oui, bien sûr. Ouvre la porte! Dites au Major Swift que Walter est là! Bienvenue, Sir Walter. Monsieur? Le voici, le seul et l'unique, le Major Swift. Oh, Walter! Mais qu'est-ce que vous faites dans le coin? Nous sommes venus te chercher. J'ai une proposition. Vous êtes venu ici pour nous faire une proposition? Je pensais que vous veniez nous sauver des légions de damnés. Ben Fein, c'est bon de te voir. On dirait que les légendes sur cet endroit sont vraies. Et comment? On n'a jamais vu autant d'hommes creux en un seul et même endroit. On est posté ici depuis des semaines à essayer de les exterminer. Mais pour l'instant, c'est surtout nous qui nous faisons exterminer. On a perdu des hommes de valeur la nuit dernière, le lieutenant Simmons notamment. Et je parie que ces ordures vont revenir cette nuit. Logan adore te confier les missions les plus intéressantes, pas vrai? Voilà en partie de quoi je voulais te parler. Est-ce... Le prince, oui. Je t'expliquerai. Considérez-le comme les autres manœuvres pour l'instant. Très bien. Le capitaine Fein va vous montrer le mortier. Ça ne sera pas du luxe d'avoir quelqu'un de plus là-haut. Retrouvez-moi sur les remparts quand vous serez disponible. Je vais vous présenter le soldat Vénard, le type le plus chanceux du fort. Tu vas sûrement devoir rester près de ce mortier toute la nuit. Commence par regarder autour de toi. Parle aux hommes. C'est bien de savoir qui assure tes arrières. Vous avez fini par quitter ce vieux château, pas vrai? Il était grand temps, ma soeur. Il était grand temps. Vous n'avez encore jamais utilisé de mortier? C'est très simple. Il y a toujours un risque de s'estropier, c'est sûr, mais vous allez vous en sortir. Tout d'abord, je vous présente le soldat Vénard, votre chargeur. Ravi de vous rencontrer. La rumeur est vraie, vous savez. Je suis le soldat le plus Vénard d'Albion. 724 blessures et toujours là. Ne vous inquiétez pas, vous vous habituerez à lui. On oublie vite qu'il est répugnant. Bien, Vénard, il est temps de tout lui apprendre. Oui, monsieur. Bon. Ma vie sera entre vos mains. Alors vous allez faire attention à ce que vous faites. On est d'accord? Allez, prenez ce mortier. On va s'entraîner un peu. Voyons voir ce que vous valez. Vous voyez cet épouvantail là-bas? Eh ben faites-le sauter. Ouais, c'est bien ça. Défoncez-le! Allez-y! Oui, oui! Boum! Au revoir, monsieur l'épouvantail. C'est vraiment génial, hein. Du calme, Vénard. Ne vous emballez pas. Ce n'est jamais une bonne chose. Concentrons-nous sur le dernier. Il en reste plus qu'un. Mais attendez. J'avais pas prévu celui-là. Ah.
Ils arrivent! Ouvrez le feu! Mais vous pouvez en tuer plus avec un seul tir! Allez! Je crois que c'est de... Visez vers la droite! Allez-y! Ah, super! Les voilà! À gauche! Protégez vos yeux, la poussière de... Ils arrivent par la droite! En voilà d'autres! Par la droite! Assez! Et voilà! À gauche! Deux valent mieux qu'un! Ouais! Magnifique! Toutes les armes sur la porte! Il faut pas qu'ils entrent! Poussez! Poussez! J'y arrive pas! Ils sont trop forts! Juste pour vous, écoutez ça.
de mort qui m'ont écrasé. Ça s'appelle cogner la tête en rémineur. Hey, maintenant, ratez-moi ces jours dans leur tombe. Ça, c'est un tube, tu crois pas? Protégez vos yeux de la poussière de zombies. Je me permets de me présenter. Je suis le Fossoyeur. Tous notre bon prince. Oh, qui est partant pour une pinte? Lieutenant Simmons, je vous avais pourtant bien demandé de ne pas vous montrer, il me semble, non? Oh, plus personne n'obéit aux ordres maintenant. C'était sacrément impressionnant. Alors comme ça, votre père n'était donc pas le dernier héros d'Albion. On a réussi! Non, vraiment, on a réussi! J'entends déjà les poètes conter notre épopée, et contre toute attente, la brigade de Swift l'emporta. Fin. Eh bien, Sir Walter, vous vous en sortez bien, pour un vieux? Toi aussi, pour un bouffon.
C'était exactement comme au bon vieux temps, Walter. Exactement comme au bon vieux temps. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu vas nous rejoindre? Grâce à ton aide, on peut arrêter la folie de Logan et faire renaître la véritable armée de l'Albion. J'ai juré de servir mon roi jusqu'à la mort, on l'a tous juré. Mais ça ne devait pas se passer comme ça. La vieille garde a été écartée et les nouveaux soldats que Logan réunit, eh bien, ils n'ont que faire de ces terres ni de ces gens. Mais je parie qu'ils sont mieux payés. Walter vous fait entièrement confiance et après vous avoir vu à l'œuvre, je ne peux qu'être d'accord avec lui. Je vous demande juste une chose, c'est de prêter serment en tant que soldat. Laissez vos armées protéger le peuple au lieu de l'opprimer. Redonnez à cet uniforme tout son honneur. N'oubliez pas l'augmentation. Tais-toi, Ben. Je vous le promets. Cette journée sera marquée d'une pierre blanche. Avec le soutien du Major Swift et de ses hommes, cette révolution prend de la force et de l'ampleur. À chaque jour qui passe, tu te rapproches un peu plus de la couronne du royaume. Revenez au sanctuaire et je vous enseignerai ce que je sais. Alors c'est réglé. On retourne à Bowerstone. Là-bas, il y a des gens qui se joindront à nous. J'espère. On enverra quelqu'un vous chercher. Alors, je vous souhaite sincèrement bonne chance et je vous dis au revoir. Et essaie de faire en sorte que les autres gars restent en vie. On aura besoin de vous tous. Vous savez remonter le moral, vous, Ali. Allez, fichez-moi le camp. Adieu, mes amis. Allez, tu as bien travaillé aujourd'hui. Mais on s'échauffe tout juste. J'ai affiché votre promesse à Swift. Bon, chaque gantelet est capable de jeter un type de sort particulier. En portant un gantelet distinct sur chaque main, vous pouvez combiner de redoutables pouvoirs à chaque sort. Excellent choix de gantelet. Bienvenue au sanctuaire. L'armurerie est à votre disposition.
pourquoi tirer sur un ennemi quand on peut le faire brûler sur place? Excellente combinaison de gantelets. Oh.